Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le jour 12 de 7 Days to Die. Et aujourd'hui, nous sommes, je vais vous dire ça, niveau 23, avec zombie tué, 546 km parcourus, 51, ça commence à grimper. Puis en plus, on a la moto et on va voyager encore aujourd'hui. Objet fabriqué, 1804, 13 heures de jeu. Les amis, c'est parti, j'ai bien construit la base pendant la nuit, ça a avancé. Et il va falloir que je m'occupe de l'extérieur maintenant pour la prochaine base. Et je vais essayer quand même de fermer ici, même si j'ai mis les blocs sur le cube d'en dessous, donc je peux pas mettre un... Je peux pas fermer là en fait, ça marche pas parce que ce bloc est trop bas. Donc voilà, j'ai cassé ici, je trouverai une technique, mais on verra ça plus tard. Je vais me laisser un petit coin pour m'échapper avec des trappes et de quoi tirer s'il y a des ennemis ou des oiseaux à l'extérieur. Encore de la modification à faire sur tout ça, mais c'est déjà un petit peu mieux renforcé. J'ai laissé comme prévu le poster de Josie. Et puis ça aussi, je vais finir par le renforcer. J'en sais rien, pas du tout. Allez, on se casse. Une grosse mission qui nous attend, 4h30. Dépêchons-nous de ranger toutes nos ressources. Est-ce que j'ai des choses à ranger un petit peu? Ah, les coffres, je voulais les poser, c'est pas grave, on les mettra plus tard. J'ai posé des torches déjà. La tourelle, je vais peut-être pas la prendre. Je pense que je vais pas m'en servir. Les bonbons, on les garde. On a quelques munitions, on va en prendre un peu plus. Est-ce qu'il faut que je mange? Hop, hop, hop. On est pas trop mal niveau nourriture. Je me suis mangé un bon ragoût pendant la nuit. On va se prendre une petite viande. Un petit thé. On va se prendre quelques médocs. Et les amis, on est parti pour l'aventure. Est-ce que je prends les bouteilles vides? Pas maintenant. J'en ai pas, j'avais tout rempli, ok. Est-ce qu'on est bon? Bim bam boum badaboum, ça non, non, non. Non, je pense qu'avec 3 soins, on devrait s'en sortir. J'ai confiance. On va prendre 5, au cas où, sait-on jamais. Let's go. Il faut qu'on aille à 1 km. Hein. Non. Hop, hop, c'est par où? C'est par là-bas. Voilà, 934 mètres. Allez, on va... Ah, de l'essence, je suis à 2%. Faut que je m'arrête de faire de l'essence sur des voitures. Ici, on a. C'est impeccable. Boum, bam. Ah, j'ai perdu aussi mon. J'ai vendu mon marteau au lieu de le garder. C'était, je pensais que c'était pour le marchand. Et en fait, non, c'était mon stuff. Et je l'ai vendu au marchand. Tellement pressé. Mais bon, c'est pas grave, je rachèterai un. Est-ce qu'on fait de l'essence? Un petit peu, ça y est. Fait de l'essence. Et on se retrouve devant la mission. Ah, c'est plus la même histoire avec la moto, hein. On remet en play. Aïe! On remet en play, je viens de défoncer un zombie au passage. Par contre, j'ai oublié de prendre mon fusil. Hein. On a un fusil niveau 3 de chasse avec. Chut! Taisons-nous. J'ai un fusil de chasse. What? Et on l'a oublié. Ok. C'est bon, pas de problème. Je gère. Il me provoque, hein, c'est ça. Hein. Full provoque, j'arrive pas à le toucher. Pourquoi je tire? J'ai pris l'arme, j'ai tiré alors que je sais même pas. Oh mais je viens d'arriver aussi sur le PC, désolé. Hein. Désolé d'ailleurs d'avoir oublié aussi lors du dernier épisode de m'être trompé en n'ayant pas mis pause pendant que j'étais en train de préparer les loots et en ayant mis pause pensant que je remettais play. Bon, j'ai looté. My bad. La pression de beau matin d'être sûr de vouloir avoir la biche. D'ailleurs, j'ai modifié ma batte aussi. Hein. Tant que j'y pense, j'ai rajouté ça, la tête lestée. On est au top. Je vais remplir un peu ma moto parce qu'il va y avoir tellement de fouillis. Très bien. Combien 8 d'essence, c'est large. Ah là là, quel bonheur. Regardez-moi ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala, là là, que c'est gros. Ah oui, j'ai déjà fait... Ah oui, 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 oui. Ah oui, faut pas aller là-dedans, là. Ok, je connais, ça me parle. Tous les pièges qu'il y a dans la fossée. La tranchée, pardon. Bon, eh ben, on perd pas de temps. Quelle heure il est? 6h du mat. Je crois que je vais pas traîner. On va rien prendre de superflu. Dit-il en prenant de l'eau pourrie, des chiottes. Salut tout le monde, bienvenue. Bonjour, c'est moi. Centre militaire à moitié, là. Oui, j'espère qu'il va pas y avoir trop de zombies. J'ai déjà fait ce truc là, ça me parle. Aïe! Oh non, le piaf! Oh, le comité d'accueil, il m'a blessé et j'ai pas. Évidemment, si j'ai un bandage, ça va m'aider quand même, ça a pris. Attendez, laisse-moi me soigner. J'ai mal. 17 minutes, on reprend 27 de vie, c'est bon. C'est par là, non, ça m'étonnerait que ce soit. Que ce soit si simple. Que ce soit si. Il y a un trou dans le mur. Oh le fou! Vous avez vu ce qu'il a fait? Ah, il y a des zombies à l'extérieur apparemment. Oh, comment ça vise vite?
comment j'ai visé à côté tout à l'heure. Que là ça marche très bien. Et un peu plus près aussi. Voilà. Je vais en mettre une à côté, on se casse. Il va venir nous voir hein, de toute façon. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce que je me prends un petit peu d'essence très vite? Voyons. 2500. Hein. Bon, j'attends que notre pote il arrive là. Yes, on a deux niveaux. Les niveaux, je vais faire ça cette nuit au calme. Je pense que je peux faire la journée là, ça doit être particulièrement. Comme ça, je regarderai ça tranquillement. Pour voir un peu vers quel côté je vais me diriger en premier. Enfin, par la suite. Les deux flèches dans le bras. C'est bon, t'es là. Tu peux s'occuper de toi. On se casse. Non, on se casse pas. On va poser les trucs dans la moto. Pauvre. Attendez, je vais poser ça. Ça, on va le garder. C'est du fer. Oui, bon, bref, on peut tout hein, de toute façon. Ok, bim bam boum, et l'essence, on va la mettre. J'ai pas le temps, désolé. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, allez, cette fois-ci, on y va, parce que là, ça fait un trois quarts d'heure que je suis dehors, là, déjà. Ah, on va aller sur le toit. C'est où on était. Est-ce qu'il y a une entrée? Y a pas l'air. Les antibiotiques, tiens, on va les prendre maintenant. Comme ça, pendant 10 minutes, on peut pas être infesté. Alors, on va commencer à se dépêcher. Il y avait encore une voiture pour de l'essence. Là, on peut pas rentrer. Là, ça a l'air d'être des cheminées. Dans lesquelles faudrait pas tomber. Et là, c'est fermé. Très bien. Oui. Ah ben, faut rentrer dans le bâtiment, tout simplement, Ronito. Bonjour. Ok. Il y a une trappe ici, très bien. Oh, et voilà, parfait. On pourrait déjà se barrer chez le marchand. Mais non, non, on va aller chercher du loot. Ok, allez, on se dépêche un peu. Non, 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 tu me tapes pas, Jean-Michel. Allez, entraîne pas. Est-ce qu'il y a des bonbons là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché là-dedans? Non. Est-ce que... on loot ces camions? Oui. De l'eau des chiottes. Des flèches en fer. Dommage, niveau 3. Ouais, ça m'intéresse plus, mais on va avancer quand même. Et on va pas s'encombrer, on va tout de suite jeter tout notre caca. Yes. Bonjour. Zombies qui pètent dehors. Ouf, oh oui. 7-3, mais donc je, ça voudrait dire que j'ai la même chose, si je ne m'abuse. Voyons ça. Niveau 6, ouais, c'est la même. On la prend. Ok, donc c'est ça que je voulais faire ensuite. Ça marche, let's go. On a des crochets là-dedans, pas du tout. Rien d'intéressant. Plus 50% de réduction des dégâts pendant 2 minutes. Pourquoi pas. Tiens, on va se mettre un petit peu de pommade encore, voir si ça diminue le... Non. Allez, let's go. Ok. Ça, on s'en fiche. On se dépêche un peu. Parce que c'est bientôt la horde, hein. Je voudrais quand même prendre un max de niveau et avoir de la thune pour acheter des munitions et tout ça si besoin. Si on trouve qu'on en a pas assez, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est un peu le rush là avant le jour 14. Ça met un peu la pression sur les missions. Un pinceau, j'ai enfin pouvoir peindre ma maison. J'en ai peut-être déjà trouvé en plus. ça, on tège. Le pinceau, je le tège aussi, c'est des plumes et du bois. À quoi bon? Et là, ça doit être de l'autre côté. C'est ici. Non, 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 non. Bon, je crois que j'avais fait ça un peu tôt, mais ça va, c'est passé. Et de une. Et de deux. Oui, mais non.
on descend. Verrouillé. Ça descend encore. Sur le piège. Ouais, 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 j'arrive les gars, j'arrive. C'est bien par là, il n'y a rien d'autre. Ok, et là, qu'est-ce qui se passe? On est guidé par là, ça roule. Il y a du chemin, ça circule. Ok, on est là. Oui? Attendez, lui, faut peut-être aller le tuer, faut pas que j'en oublie. Hein. Non, non, je crois qu'il est en haut. J'ai oublié, j'en ai oublié un. Merde. Non, non, je pense que c'est bon. Ça doit être celui d'en bas. Je pensais qu'il était au-dessus, mais il était en dessous, ça marche. Je pense que c'est bon. C'est toi, mon petit Renei? T'es où? Je te vois plus. T'as disparu? Mais il est passé où? On le voyait il y a 2 secondes? Ah, il y en a un qui est très loin, là. Je pense qu'on en a oublié un, ça me saoule. Ah oui, bah, faut prendre les... Faut prendre les munitions. Il faut aussi tuer tous les zombies. Yes. On arrive dans les dortoirs. Très bien. Papier, ça dort, ça fait dodo. Ça va me sortir de derrière le dos, je suis sûr. Qui fait dodo? Très bizarre cette affaire. Il y en a là, c'est pas possible, hein, ils sont là. Hein. Ça va bien. Ouf, oh le coup de batte qu'il a pris. Le pauvre. Là, il y en a derrière. Des chiottes, on va arrêter un peu, hein. C'est ma fixation, mais bon, ça se termine un jour. Plus long pour une note. Alors, j'ai encore pas vu le chemin. Ah, regardez là. Ok, on est passé à travers le mur. Des épis de maïs cuits. Le papier, on s'en fiche. Ça marche toujours pas fou là, économiser mes places là, c'est pas mal. Mes slots. Là-bas, il y a une caisse, à mon avis, c'est là-bas qu'il faut aller. Il y avait bien un zombie par terre là. Je l'avais vu. Oui. Hey. Le bois, j'en ai pas. Mais le bois, il faut toujours en avoir un peu, hein, quand même. On va prendre. Est-ce que j'ai faim? Oui. Allez, on continue. Il y a pas beaucoup de zombies, hein, je trouve. Hein. C'est plutôt tranquille, tout ce qu'on se fait, là. Vous trouvez pas? C'est la balade, petite balade de santé du matin. Ok, des épis de maïs. On pourra peut-être faire du maïs cuit. Donc on a la recette. Là, il y a une échelle. Rien du tout, donc ça doit être là. Ok. Nous voici. On se faufile comme des petits rats. Jamais coincés. Certainement une petite poche pourrie avec du ciment que j'ai pas déjà. Okay. Ça. Ça marche. J'ai des pierres sur moi. Si j'ai un peu de pierre, je vais prendre les palettes. Non, j'ai que dalle. Donc on va laisser ça là. Ok, ben on va rentrer dans le gros tuyau. Continue l'aventure. Oh, un serpent. Un boa constructeur. C'est bien ça, hein. Il fait dodo. Il fait dodo. Il y a la bonne viande de serpent à manger ce soir. Pas mal de bois, de... Pas mal de pierres, mais bon, tant pis, je vais pas avoir assez de place. Toi, t'as de la chance, toi.
Encore 3 minutes de protection contre les. Le fait d'être infecté. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout du niveau? Parce que bon, il y a bien des zombies qui vont arriver au bout d'un moment là, avec tout ce qu'on avance et le peu de zombies qu'il y a. Les patates, je vais les garder si on doit faire des graines. J'aurais pas dû les manger, tromper. Ça, on s'en fiche. Ouais. Ça, ça va finir par dégager aussi, je pense. Ouais, d'ailleurs, ça dégage tout de suite. Ok, et ça, c'est des pourquoi déjà? Chaque fois, j'oublie. Voilà, c'est 45 secondes, on est complètement bourré, on a plus 400 de dégâts de mêlée. Donc, on va éviter de le prendre pour être aveuglé. Et là, ça sent la. Ça sent le fight un petit peu plus là, je sais pas, il y a une grande pièce. J'essaie d'y aller doucement. J'ai le don petit tirer trop, on est d'accord. Hein. Yes. Oh, oh, oh. Oh, il m'a fait peur, je savais pas où ils étaient. Mal, hein. Je commence à faire mal la bête là. La masse. On met la musique, tu peux t'arrêter. Hein. C'est bon, c'est fini. On n'en parle plus, c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi je prends ça? Puisque je me suis trompé. Il y a encore des zombies qui pètent dehors. Excellent, lumière. Stylé. Les WC, ça ne m'intéresse pas des masses. Ok. Pas déçu. Pas déçu du voyage. Il y a une flèche ici. Mais c'est reparti, on se remet 10 minutes. Plus les stéroïdes. On se dope comme il faut. Et voilà, on peut porter tout ce qu'on veut. On est plus lourd. Et on peut courir comme des fous. Quand je recharge, je peux pas monter quoi. C'est ouf. Ça pour un ouf. Allez, c'est parti, c'est ici qu'on s'amuse un peu. Du coup, elle est sortie de là, ça marche. Oh là 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 là. Papa est là, Johnny. Boum, le dernier. Oh, c'est pas fini. Mais les gars de chantier. On avance. J'espère que j'oublie rien, j'ai pas l'air. Verrouillé. On remonte. J'espère qu'on aura un bon loot à la fin de tout ce parcours. Et là, on court plus qu'on tue. Ok. J'ai même plus peur, quoi. Je rentre comme si j'étais à la maison. Qu'est-ce qu'on éclate comme tête? J'ai pris de sable, non. J'ai de balles 34. Yes. Ok, cool. Quoi? Ah! Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Oh là, ils sont motivés! Oh, mais il y a du monde! Oh, mais il y a beaucoup de monde même! Oh là là! Cool! Sors de là, sors de là! Ouais, parce qu'ils sont pas tous morts. Oh le monde qu'il y a. Oh! Aïe! Oh la gifle! Bon, on peut pas être infecté, ça va. Pff, attends, tout le monde qu'il y avait là? Un petit loot ici? Non. Aïe! Oh, c'est ça, mais ça m'a trop impressionné quand j'ai vu tout ça en fait. Non, mais waouh! C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Allez, j'ouvre tout ça. Enfin, je prépare tout. Et cette fois, je me trompe pas dans la pause. Allez. À nous le loot. Je vais prendre le bonbon. Surtout, là, pour l'instant, j'ai tout ouvert. Des grosses boîtes de munitions partout. On est niveau 5 en loot. Hein. Ça devrait être intéressant quand même. Là. Oh, c'est beau. Alors, c'est parti. En plus, on a de la place pour tout prendre. C'est parfait. On va prendre une petite pommade. Tout ça là. Et comme ça, on voit facilement tout ce qu'on prend. Yes. Allez, les munitions. Encore ça, pyramide.
prend masse de balles, très bien. Toutes les balles? Carreau d'arbalète, yes, une modification de poignée. Ah. Qui va nous permettre quoi? Améliore la maniabilité et la précision lorsque vous tirez au jugé. Bah, comme j'ai fait juste avant là. Ça pourrait être intéressant. Alors voyons, et ça c'est des carreaux. Alors est-ce que je peux mettre ça directement maintenant? Yes, une poignée. Plus 9, 1 et plus 7 maintenant, 54 à passe. Cool, et on pourra tirer au jugé et être plus précis alors. Ok, le gros coffre. Que dalle. Rien du tout. Des pièces de fusil et des pièces de coupe américain en acier. Mais c'est quoi cette arnaque? Ça y est, c'est fini la chance. On va mettre ça sur notre pioche pour mon l'user. Ah, je pourrais mettre ça. Non, la batte, elle est pleine. Est-ce que je peux me mettre là-dessus? Pied, ouais, voilà. Et ça, motivation des armes de mêlée. Les outils réduisent la dégradation de 25%. Structure renforcée. Cool. Donc on a ça maintenant sur la masse. Hein. Elle va durer 25% plus longtemps. Des balles. On veut-tu de l'argent? On n'a pas gagné le bouquin pour... j'ai pas le truc pour faire les outils en argent, je sais plus. Des flèches en... Des flèches en fer. J'en ai eu d'autres, j'en ai 30 du coup, je vais changer ça. On se dépêche. Bon, c'est pas mal déjà. Bon, j'avais déjà les flèches en fer, parfait. Et masse de balles encore, trop cool. Boum, on est refait, on se casse. Yes. Ah, le grand air. Est-ce que je vais mourir si je passe par là? Non. Par contre, faut pas sauter dans les mines. Allez, let's go. On rentre à la maison. Ah, c'est vraiment la belle vie en voiture maintenant. Ça change tout en voiture. Pff, mais moi, je sais pas sur quelle planète je vis des fois. Ma motocyclette. Yes. Direct. Alors, j'ai pas été poser le stuff. On allait faire ça ensemble. Fusil de percussion niveau 4. Ouais, franchement, on a vu mieux. 0,8 seulement, plus 37 de dura. On écoute, 1041. Ouais. Je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échelon 4, uniquement la nuit, 120 mètres. Élimination de zombies, échelon 4. Le Storgun 2, on l'a déjà fait. Celui qui est juste à côté. Donc non. Élimination de zombies pour la nuit, 532 mètres. Downtown Building. Ah ouais, ça y est, c'est un... On est dans un building carrément, trop cool. Est-ce que je regarde des trucs maintenant? Non. Est-ce que je regarde s'il a d'autres trucs nouveaux? C'est toujours le Jaguar, ça. Et Puma. Ok, on verra plus tard. On va aller à la maison, on se barre direct, 12h49. Il va falloir remettre un peu d'essence. Déjà, est-ce que je peux récupérer tout ce que j'ai là-dedans? Non, il va falloir un petit peu ranger tout ça, mais ça devrait aller assez vite. On va le faire ensemble, tiens, histoire de... Chaque fois que je coupe et je m'en vais au marchand direct. Allez. Donc, ici, c'est notre stuff. Très bien. Alors là, par contre, je vais prendre un petit peu d'essence. Ça, on n'aura pas besoin de refaire sur la route. On fait le plein de la bécane. Yes. Bam. Alors, il va me falloir... Il faut que je fasse ça la nuit prochaine, hein. Ce serait bien. Là-dedans, donc, c'est les balles et les munitions. C'est vrai que j'ai mon truc niveau 4. Ici, c'est tout ce qu'on va mettre au marchand. Et toutes les pièces de fusil que je garde pour le moment. Voilà, je vais garder ces trucs un petit peu spéciaux, là. Ça, c'est pour faire des modifs ou fabriquer. Ça aussi, c'est pour fabriquer. Je vais vider déjà toutes les ressources primaires et secondaires. La bouffe. Les objets de soins. Voilà, il me reste deux soins. Ça va donc aller chez le marchand. Un peu plus clair, ça va le recycler. Ça va aller dans la bouffe. Petit à petit, devient moins petit. Ok, ça on va le garder au cas où, même si ça va finir chez le marchand parce que je vais pas l'utiliser, ça aussi. Les patates, ça va être pour faire des graines. Les balles de 7, les trucs. Alors ça, les balles de 7, on va les mettre là. J'en ai 150, on va les mettre ici. 75, ça suffit. Ici, on va s'en garder un peu plus. Je commence à en avoir quelques-uns. Hein. Les modifs, j'en ai déjà... Mais c'est pour les outils motorisés, donc allez, garde ça, j'en doute, j'en ai pas besoin. Le casque, ça va aller à la vente. Alors, pièce de matraque, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pour vendre. Et ça, c'était dans la moto. On va poser le bois. On va recycler le fer. On va prendre un peu plus de soin. Je pense qu'on est reparti, c'est un building, hein. Je vais quand même prendre, des stéroïdes, même si je pense que je vais en trouver, des vitamines qu'on va prendre pour le début de la partie. Et je vais peut-être même prendre un truc comme ça si je ramasse trop, parce qu'il va y avoir 1 milliard de zombies. 19 flèches seulement. On remet ça, j'ai assez à manger. Ah non, faut que je bois.
On va boire un truc qui remet la pêche direct. Yes. C'est bon, on est prêt. On se retrouve devant la mission. Je pense qu'il est dommage là, c'est que j'ai pas pris un bonbon pour le loot. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, nous voici. Ok. C'est dans ce truc là qu'on va aller là. Mega Crescenco, Stone Tower. Cet énorme truc, mais ça aussi c'est nouveau. De toute façon, il y en a plus de 200 de nouveaux, je crois. Oh, le pont et tout, c'est tellement stylé. Working Steve's Tool, je voulais tellement en trouver un. Ok, il faut que je me le note. Ça, il faudra qu'on aille le visiter absolument parce que c'est peut-être là où j'ai trouvé des trucs pour le marchand. Je suis en train de faire deux choses en même temps. Où je vais trouver le seau pour la forge dans le magasin de bricolage. Voilà ce que je voulais vous dire. Ici. On va marquer Tool. Suffira. Yes. Cool. Allez, c'est parti. Combien? 68 balles. Ok, j'ai rigolé ça, pas du tout. Déjà pas mal de mal. Ok, ok. J'ai entendu un gros, je crois. Il doit être dehors. On va s'en occuper tout de suite. Parce que là, on va certainement meuter tout le quartier. C'est bon? Très cher, je crois. Non, s'il est de l'autre côté, c'est pas grave. Allez, on va rentrer. De toute façon, on les entendra arriver. On va pas trop traîner non plus. S'ils veulent me voir, ils connaissent le chemin. Ils seront bien reçus. C'est beau, hein, d'avoir une armure si silencieuse. Les amis font dodo à un mètre de toi. Je vais garder un peu de bois comme d'hab. Ça fait mal, hein? Tu vas mourir de genoux, tu vas voir, c'est pas très agréable. Ah, donc tu montes ta tête. Oh, le bide ouvert là. Aïe 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 aïe, le genou qui casse. Qui casse mais qui résiste. Et c'est la mort du genou. Ah, Johnny. Ah mais dis donc. Je vais bien remonter cet après-midi. Comment ça c'est quelque chose qui existe ça? Depuis quand on peut gruger les distributeurs automatiques? Yes. Argent facile. Ok. Si je me dépêchais un peu. Bonjour. Oh là là, il est dur, il va péter. Il va péter. Non. Ouais, je savais bien, ouais. Ouh, il m'a fait un peu peur, je vous cache pas. C'est quoi, du cuir, du fer? Très bien, il a tout cassé. Allez, je me dépêche parce que ce qui est quand même échelon 4, ça peut être même très long. Pareil, j'en ai pour plus que la journée. Donc, ce serait bien d'avancer un peu. Oh, c'est beau, c'est grand. Il y a plein de choses à acheter là. Oh là là là, esquive. 3 points. Ah, c'est un... Ok. Il était spécial celui-ci. Oh putain, tout quand même. Beaucoup trop de stuff dans quelques instants. Ça, mangeons-le. Non. Team des pièces d'outils motorisés, c'est cool ça. Ça, on va faire du fer. Ouais. Let's go.
Tant pis pour les tableaux, hein, je pourrais trouver quelques trucs derrière, mais pas le temps. Avec une balle dans la tête, généralement, tout font moi les malins. Ah, mais y'a personne, la banque est fermée. C'est pas parce que vous entendez du bruit un peu qu'il faut s'approcher comme ça, vous êtes pas chez vous. Y'a des horaires. Oui, oui, je sais. Moi aussi, ça m'embête. Moi aussi, je vais aller au McDo et j'ai pas d'argent. J'ai pas de carte. Est-ce qu'il est nécessaire de looter tout ça? Ah! Oui! 110, ça va. Ça va gratter un peu le... Et si je me prenais ça, t'es... mieux. Merci. Voilà. Ils aiment pas les ordinateurs et ces zombies. J'adore comment ils tombent comme des ragdolls. Très bien. Énormissime. Oh, il... Ah, oh, il me fait tellement peur. Foiré. Je peux pas être malade. Je suis là pour apprendre comment fabriquer cet objet. C'est semi-auto, non pas automatique. Et son nid ici, le pauvre, il croyait que j'attaquais son fils, c'est ça. Hein. C'est quoi ce truc, c'est une lampe. Ok. Attendez, mais c'est pas par là que je viens, moi. Ici, c'est juste qu'on pouvait passer là. Ok. Et vous savez quoi? Je vais me prendre un point d'agilité, je pense. On va faire ça tout de suite. Hop, agilité, je suis à 2 sur 10. J'ai 3 points à dépenser. On va prendre parcours pour sauter un petit peu plus haut. Normalement, maintenant, je devrais sauter un demi-bloc de plus. Ce qui devrait m'aider. Je vais peut-être un peu plus vite. Hein. J'ai un peu plus d'endurance. Je dirais. C'est juste la distance à laquelle je peux tomber. Et merde. Je peux tomber d'un peu plus haut. Et Attendez. Attendez. Faut que j'aille où? Fuck. Et non mais, je suis tombé. Bruit. Alors mais moi faut pas me mettre dans des grands endroits là, moi je me perds trop vite. On est bien d'accord que ça a pas l'air d'être par là. Et par là je suis déjà passé, c'est en bas. Je suis perdu, je suis tombé. Ils disent bien qu'il faut aller en face là. Et après on redescend ici. Mais d'où ils sortent tous là? Faut me laisser tranquille maintenant. Stop. J'ai pas le temps, faut que je réfléchisse ou faut que j'aille. Tiens. Ok, ça doit être en haut là-bas. Mais... Sérieux, il y a tout le quartier là. Après, on est en centre-ville, c'est peut-être normal quoi. Par là, par là, par là. Ouais, y a un petit problème d'intégration de l'immeuble. Ouais, c'est sûr, je me suis trompé, je suis deg.
Ah, putain, c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est pas possible. Ok, par là. Je vais peut-être devoir... Ah. Faudrait qu'on reste là-dedans, peut-être. Ok. Wow, mais c'est l'immeuble qui s'est carrément effondré. Trop bien. Ah ouais, je viens de comprendre. Oh, trop classe. Ok, ça, c'est les fenêtres qui sont au sol. Bon. J'ai l'impression qu'on peut monter. Je pense que je vais essayer de revenir à l'endroit où j'étais. Hein. Là, je me sens un petit peu perdu, je vous cache pas. Je vais passer. Là, ça me ressort ici. Là, ça me ramène vers là où j'étais. C'est-à-dire ici, là où ils ont fait un trou. Donc, je vais remonter par là. Quelle heure il est, 17h. Oh, là, je suis au tout début de la mission. Bon, voyons si je vais mieux trouver le chemin. Ok, par ici. Ok, là on arrive là. Là on était tout en haut, c'est bien ici, ça va, c'est pas trop long. Ah, je suis sauté plus facilement. Et là. Ok, là on est sur l'immeuble qui est effondré, d'accord. Ok. Et voilà, j'ai pas envie de tomber, donc qu'est-ce que je fais? Pas trop d'endroit d'autre où aller là. Parce que là je peux pas y aller. Là je peux pas y aller. Là, je peux y aller. Désolé. Bon, mais j'ai bien fait de prendre agilité, je crois. Ok. Continue. Yes. Il y a la lumière. Il y a des gens qui sont passés par là, il nous a dit qu'on peut y aller. On y va. On grimpe. Et ma cassie. J'ai marché dans un cadavre. Bien sûr que non, faut pas tomber par là. Ah ouais, d'accord. Mais pourquoi? Mais quel connard. Pardon. Je suis désolé. Attendez, tout va bien. Est-ce qu'on m'aurait pas craché dessus de l'acide par hasard? Ok, combien j'ai de bois? C'est là où on est content d'avoir du bois, mais j'en ai malheureusement pas assez. Moyen de gruger. Moyen de gruger déjà en se prenant un autre point d'agilité, mais je pense que je vais pas faire ça. Ah, la déception, la déception. Mais on peut peut-être repasser par là du coup. Ouais. Carrément. Juste là. D'ailleurs. Oh là 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 là. Je savais bien que je l'avais entendu. Je crois que j'avais trop de monde dans le quartier. Non mais quand c'est des zombies d'extérieur, tout ça, on s'en fout, on casse. Pas que ça à faire. Ok, il y en a quasi, le retour. Ok. Lampe, le trou. C'est là le piège, hein. Un autre piège encore. Il en a mordu la planche, le pauvre. Je suis monté là, on est bien d'accord. Là, ça m'étonnerait qu'il faille descendre. Ça a l'air d'être assez dangereux, c'est pas mal, hein. Attendez, là, c'est là où je suis passé déjà. Je suis perdu. Non, 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 non. Là, c'est là où je suis tombé. Faut que je le refasse, parce que je sais pas faire où faut aller, ça me prend tellement de temps. Donc là, on est d'accord. Là, il y a la lampe. Là, il y a une lampe. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'en vas pas comme ça! Arrête! Oh mais oh, me respecte.
Ça prend trop de temps. J'arrive toujours pas à sauter là quand je recharge, même en ayant pris la perc en plus. J'espère que c'est toujours le bon chemin, apparemment oui. Je suis perdu là. Ok. Il tombe. Et c'est bien fait. Là, faut pas tomber par contre. Vas-y, viens. Bonjour. Au revoir. Ok, on est bien. On est bien. C'est pas fini. 19h14, hein, faudrait commencer à se dépêcher. Tout va bien. On va peut-être faire doucement, mais je crois que j'ai réveillé tout le monde. Oh, j'ai sorti la console. Oh, je prends tellement cher. J'ai pris tellement cher avec la console. Oh non, je me suis trompé de chemin. J'ai le bras pété et tout. Piaf. De merde. Oh, mais j'ai tout perdu, là. Non, mais vous savez quoi? C'est horrible, parce que j'ai cliqué sur F au lieu de cliquer sur 2, sur 3. Avec la panique pour vouloir faire vite. On va vite se soigner. Je prends ou pas? J'utilise ça pour le moment, c'est parce que je viens d'en prendre un. J'ai pas pris des bandages, donc on va les bander. Ah là, je suis en panique totale. Quelle heure il est? Ouais, non, je pense pas avoir le temps. 45 de vie en plus, ça va aller. Ok, et là j'ai les blocs pour remonter tout ça, donc c'est bon. Oh là là, quelle galère! Ok, on a quand même un bras pété. Donc là, je peux plus faire de gros clics droit. Je suis obligé de faire du clic gauche parce que si je fais du clic droit, ça me fait mal et ça me blesse plus. L'heure il est 19h45. Eh ben salut les gars! Par contre, j'espère qu'ils vont venir, quoi, parce que maintenant qu'ils se sont barrés dans tout l'immeuble pour les retrouver, c'est un peu le piège, ça aussi. On verra après le loot. Je le sens mal, cette histoire. Je le sens très très mal. Allez. Ce serait bien de rentrer avant la nuit aussi. Allez, je prépare tout ça. Bon, j'ai pas le bonbon de loot, mais on va faire ça. Hein. Je vais prendre encore cette petite pommade là pour remonter encore un peu l'énergie, parce qu'on va redescendre pendant la nuit, je pense. Ok. Allez, c'est parti. Oh, nice. Et ça, c'est le... Voilà, 15% de dégâts supplémentaires sur la pierre, c'est parfait. Et ça, c'est quoi? Modification automatique. Ah ouais, je peux passer en automatique avec des armes qui ne sont pas, comme par exemple le flingue que j'ai pour le moment. Là, il y a un groupe électrogène là-bas. Ça, on connaît. Une pioche niveau 4, yes. Alors du coup, si je fais ça, parce que j'imagine qu'elle est meilleure. Ouais. Plus 2 points là. Impec. Donc on est dans 56 balles. Hein. Cool. Bon, mais c'est bien. Il est 20h40 et il reste du zombie à tuer. Bien énervé en plus. Il y a un coffre. Regarde, je suis tombé. Oh là là, ça pue. Je suis dans le foire là. Combien il en reste? Il en reste un. Il en reste un par en main. Il est 21h. Est-ce que j'ai encore des blocs? J'ai du bois. J'ai plus de bois. Je peux pas remonter.
On va essayer de se soigner, je suis à 33 de vie, hein. Ce serait bien de rester en vie. On a failli mourir là. Ok, on peut aller chez le marchand, c'est le dernier. Oh, trop bien. Ok, maintenant il faut sortir de cette embrouille là. Oh, just in time, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oh, dégage. Ok, la moto, elle est par là. 21h08, ça va être juste. Allez, si on se dépêche, on a le temps d'aller chez le marchand, mais ça va se jouer à la seconde. Est-ce que je prends une mission de nuit? Non, je pense que je vais encore aller bricoler là-bas cette nuit. Continuer ce que j'ai fait, installer les coffres. Être prêt vraiment pour la horde, commencer à installer du stuff, de la bouffe, des balles à côté de. Enfin, sur le balcon là où j'aurais mis les coffres. Il reste 10 minutes. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire? Ouais. Est-ce que t'as nous fait un coupon américain en acier? Ouais. Combien ça coûte ça? 188. J'en ai déjà des trousses de soins, on va prendre ça. Est-ce que t'as du travail? Il y a de la nuit, forcément. Forcément. Et c'est tout est la nuit, bon ben les gars. If you want work from me, Housing Development. Vous savez ce qu'il nous reste à faire cette nuit? J'ai changé d'avis, hein. Mais bon, il n'y a que ça et allez pas trop loin. Donc je vais aller me préparer et on va se retrouver pour la prochaine vidéo plus tôt que prévu. Avant le jour 13. Jour 13 et jour 14, hein. Ça va vite arriver. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un petit pouce, mettez un commentaire si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous. À la prochaine.